Et re-re-bonjour mes loulous, c'est tonton Tomique, et je suis bien cinglé de retourner dans ce jeu-là qui me fait sursauter. Mais quelque chose de bien. Mais c'était un peu de truc, hein. Until Dawn, allez, on y retourne. Donc on a perdu Jess, hein. La pauvre. Et nous, on a fait notre petit délire sur la planche de Ouija. Je crois qu'il faut qu'on aille à la bibliothèque. Autant que je me rappelle. Putain d'ambiance. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur R1, je sais pas, le mec il bouge plus là. Ah, mais je contrôle la fille, je contrôle pas le mec, c'est pour ça que je me tapais un trip moi. Ah bah allez, la biblio. La bibliothèque, elle était où là? Oh putain! Putain! Est-ce que ça va? Je crois, oui. J'ai à peine commencé le jeu déjà, je sursaute. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Bon. Allez, on le fait. Ça devient bizarre là. Et dans un film là ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, est-ce qu'on jette un œil? Ouais, après toi. Non, 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 non. Toi, t'y vas. Super, merci. Donc là, on prend le contrôle de Chris. Allez, c'est parti. Laisser les filles. Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je vais les prendre et saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce. 16 putains d'années, 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Bess. La vache! Protecteur, protecteur. Tout va bien. Y a pas grand chose par ici. T'as bien regardé partout? On va pas suivre les ordres d'un plateau de spiritisme. Mais ça disait la bibliothèque. Ah, chie à rien ici. Allons trouver Josh, d'accord? Bon, on va trouver Josh qui se trouve. Oh, bordel de merde. Bon bah on y va. Putain, 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 putain. Pas un truc par terre, hein? Non, c'est bon. Oh. C'était vraiment bizarre. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi il y aurait toute une pièce secrète derrière avec un bouton et un mur qui bouge si c'était vide? Ça, c'est quoi ça? Alors, 8 novembre 2013, docteur Seji Schaufman, département ethnique et racial, machin. Cher docteur Schaufman, merci pour votre réponse. Il est bon à savoir que la tribu semble toujours un attachement à cette terre, même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables. Graffiti, personne dormant dans les dépendances. C'est leur foyer ancestral après tout. J'ai pris contact avec les descendants de la tribu et j'ai l'intention de faire un don au conseil de leurs anciens. Guérir les blessures du passé ne sera pas facile, mais je pense que c'est une étape nécessaire. Cordialement, Melinda Washington. Ah. Je veux dire... Par la mère de Josh. Ouais, elle fait vraiment un effort pour arranger les choses avec une tribu indigène, on dirait. Ouais, on dirait que le mauvais karma remonte à loin. Ok, j'ai cru voir une porte. Putain, putain.
Putain. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est fermé. Ok. Juste de repenser à un truc que j'ai vu avec ça. Quoi ? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Bah, il y avait ce type dont quoi, je t'ai parlé. Quoi ? Attends, quel type ? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Chris... Si c'est ta façon d'essayer de me rassurer... C'est moyen, c'est sûr. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Oh mon Dieu! Ashley! Ça va? Je vais... Allez, enfonce-moi cette porte là, putain! Encore? Quelle horreur. Ah, la saleté. Bonjour docteur, ça va toujours pas très bien moi. Et vous ? Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Ok. Alors, Sam ou Josh? On va dire Josh. Alors... Amélie, non, elle fait trop pétasse. Matt. Ah, je suis Chris. Bon, Chris, il est rigolo, quand même. Ah, j'aime bien Chris. Bon, bah là, ça se pose même pas comme question. Pourquoi t'as opiné du chef? Alors, Sam ou Emily? Entre les deux. Bon, allez, on va dire Sam. Entre les deux. Ouais. Elle est pas bien méchante. Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? Ouais, j'aime pas trop Emily, ouais. Un peu trop garce à votre goût ? C'est ça. Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive.
Pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous? Ah, une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. Bien, alors, je suis trop content, on va retourner dans le jeu. Allez. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S O E Sœur ? Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors ? Go ! Ah ! Ah, la vache ! Vache ! Le bourre-pif qui m'a mis, quoi. Une patate et dodo. Par contre, Jess est passé à travers la fenêtre, c'est juste. Eh ouais, il est vraiment arraché la tête, quoi. Incroyable. J'aurais pas dit mieux. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. J'aurais pas dit mieux. Jess. Jess. Allez, bon, bah on va faire une pause vu qu'on vient changer de chapitre. Ça a été court, cette petite vidéo, mais bon, bah voilà, j'avais dit chapitre par chapitre, c'est mieux. Allez, tchuss, mes loulous, on se retrouve tout de suite.